Pour valider notre diplôme d'ingénieur, on doit réaliser 3 mois d'expérience à l'international. Donc j'avais choisi l'Allemagne comme pays et donc Munich plus précisément. Munich parce que géographiquement parlant, c'est vraiment au cœur de l'Europe, c'est une ville complètement internationale. Donc pour moi, c'était vraiment un rêve d'y aller, j'avais pas beaucoup voyagé, je voyais ça comme une belle opportunité. J'ai eu l'occasion de partir sur le campus de Londres et donc j'ai étudié là-bas la finance et ensuite je suis restée 3 mois de plus en stage. J'ai commencé par 3 mois de stage dans un laboratoire aux États-Unis. À Houston, au Texas. Moi, j'ai fait mon séjour international en Afrique du Sud. La vie là-bas en Allemagne, c'est vraiment extrêmement cher. Le coût de Munich, enfin, les logements sont inabordables en tant qu'étudiant. Il y a près de 2 ans d'attente pour avoir un logement en chambre étudiante. Donc, j'ai reçu pour cette séjour une bourse du GIFAS. Et c'est vrai que sans cette bourse, sans cet apport qui est financier, clairement, je pense que j'aurais pas pu faire les stages que j'ai faits. Donc moi, la bourse d'études, ça m'a permis d'arriver sereinement là-bas et de pouvoir vraiment profiter d'autre chose que de la vie étudiante. Enfin, ça a été l'occasion de rencontrer énormément de gens, de faire énormément d'activités culturelles. Alors je voudrais dire aux diplômés que c'est vraiment une chance pour nous de partir à l'étranger en tant que jeune étudiant. Et comme vous allez peut-être le faire, j'espère un jour aussi donner comme vous, en tant que diplômé, aux futurs étudiants pour leur permettre de réaliser une expérience riche à l'étranger. S'ils pouvaient se rappeler l'époque où ils étaient eux-mêmes étudiants et que se dire que d'autres personnes suivent le même chemin et qu'ils ont peut-être besoin d'aide. Voilà, cette opportunité, je l'ai eue grâce au GIFAS. Je m'en rends compte, je les remercie et je n'aurais pas pu faire ça sans eux. Voilà.